Le prince William était inférieur à Mossad supérieur à, il n'avait aucune inférieur à autonomie supérieure à lorsqu'il a épousé Kate Middleton. Le prince Harry admet que le prince William n'allait pas bien émotionnellement le jour de son mariage. Écrivant dans ses mémoires, le duc de Sussex se souvient que son frère aîné était frustré par le manque d'inclusion dans les préparatifs et la prise de décision. Il écrit, « J'ai été choqué, quand je suis allé le chercher le matin et qu'il avait l'air de ne pas avoir dormi un clin d'œil. Son visage était maigre, ses yeux rouges. Vous ok ? Ouais, ouais, bien. Mais il ne l'était pas. Il portait l'uniforme rouge vif des Irish Guards, pas sa redingote de Household de cavalerie. Je me demandais si c'était le cas. » Harry a ensuite ajouté à quel point William était contrarié de ne pas avoir son mot à dire sur ce qu'il porterait le jour de son mariage. Il avait demandé à Mamie s'il pouvait porter son kit de Household de cavalerie et elle avait refusé. En tant qu'héritier, il doit porter le cérémonial numéro 1, décréta-t-elle. Willy était maussade d'avoir si peu son mot à dire sur ce qu'il portait pour se marier, de se voir retirer son autonomie en une telle occasion. Il m'avait dit plusieurs fois qu'il se sentait frustré, nota Harry.